Si vous souhaitez partir à l'étranger, ce que nous espérons, nous vous conseillons de constituer votre dossier quelques mois à l'avance, 6 mois environ, avec votre responsable pédagogique, les délégués aux relations internationales, afin de bien finaliser votre dossier, de partir dans les meilleures conditions. Et nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à effectuer des séjours d'études ou des stages à l'étranger. Quand je suis arrivé, j'étais impressionné par tout ce que je voyais, parce que c'est des décors et des architectures qui sont totalement différentes. Je suis arrivé sur le campus, qui était un campus à l'américaine, avec des beaux gazons bien verts, des bâtiments magnifiques. J'ai été très bien accueilli par la responsable sur place. On nous indiquait tout ce qu'il fallait faire pour trouver un logement, pour les démarches administratives, etc. Alors, l'idée de partir à l'étranger, elle n'est pas venue d'un coup. Ça s'est germé petit à petit dans mon esprit. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais un peu peur, j'avais des a priori, mais finalement, ça s'est fait et je suis très content d'être là. Partir dans un programme d'échange est beaucoup plus sécurisant pour l'étudiant qui bénéficie d'un programme institutionnel bien encadré, avec un support administratif et pédagogique. La reconnaissance de sa période d'études à l'étranger une fois qu'il sera revenu à l'Université de la Méditerranée et l'exemption des frais d'inscription dans l'université d'accueil. C'était clairement la meilleure année de ma vie et j'encourage tout le monde à faire les démarches et à essayer de partir à l'étranger parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et qu'ils vont s'amuser et ils ne vont sûrement pas le regretter. Alors, tous les étudiants de l'université peuvent postuler un séjour à l'étranger. Donc, ils trouveront des informations utiles sur le site de la Direction des Relations Internationales, bien sûr auprès des délégués aux Relations Internationales. Et chaque année, des réunions sont organisées dans les composantes.